Emmanuel Macron à Rouen, il y a quelques jours, a été insulté, chahuté, bousculé, en tout cas en parole, si ce n'est en acte. Vous avez dit, vous, que c'était en partie une mise en scène, vous maintenez ? Oui, je pense que c'est une mise en scène. Quel est l'intérêt ? Écoutez, je m'interroge depuis plusieurs mois de manière tout à fait sereine et objective. Je ne comprends pas quelle est exactement la nature de la relation entre Emmanuel Macron et le pays, et les Français. Et les coups de menton qui ont été ceux d'Emmanuel Macron, réguliers, faisant la leçon aux Françaises et aux Français, est en train de contribuer à la cocotte minute sur laquelle nous sommes assis. Et je pense qu'Emmanuel Macron a une part de responsabilité. Je ne le dis pas par volonté de l'accabler. Il ne devrait pas se déplacer, il ne doit plus sortir d'Élysée. On évite de se déplacer cinq semaines après les événements. On évite d'aller faire... On lui reproche au contraire de ne pas y avoir... Y avoir été suffisamment vite. Je vais vous dire les choses comme je les pense. Ouais. On évite d'aller faire le mariole lorsqu'on n'a pas de solution concrète à évoquer sur le terrain. Moi, j'ai écouté Emmanuel Macron sur place avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas eu une réponse supplémentaire aux questions de nos concitoyens. Sa seule présence magique ne suffit pas. Ce n'est pas un prince, ce n'est pas un roi qui vient calmer les foules. Il faut qu'ils comprennent que sa parole est efficace si elle est concrète et si elle apporte des solutions.